Là. Là. Voilà. Impeccable. Mon vieux, c'était dégueulasse là-dedans. Il a fallu passer un bon coup de balai. Salut tout le monde, c'est Jolat. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour la suite de Minecraft. Eh ouais, la dernière fois sur la vidéo, je vous avais demandé si vous voulez voir la suite de mettre 3500 likes. Eh bien, franchement, vous les avez mis. Et bah c'est bien cool. Et du coup, voici la suite de Minecraft. Regardez ça, ma bibliothèque. Elle est pas énorme là, franchement. Elle déchire, ouais. Alors pour cette fois-ci, on va dire que si vous êtes toujours chaud pour la série, on va faire 3800 likes. Ça peut être cool. Et franchement, à 3800 likes, on sort la suite de Minecraft direct. Allez, va, j'ai fait cuire 2-3 côtelettes de mouton tranquillement. Hop, vas-y, passe-moi ça. Et n'oubliez pas, toujours dans la description, vous avez un petit lien pour acheter vos jeux moins chers sur G2A. C'est bien cool. On va manger un petit bout tranquillement. Voilà, vas-y, fais péter. Non, mais dégage. Je veux pas. Voilà, on va manger 2-3 côtelettes. Ah, bah regardons ça. Hein? 2-3 côtelettes de porc là, mon vieux, ça requinque un homme. On est parti pour une aventure là, direct. Alors regardez ce que j'ai fait un petit peu hors caméra. Bon, en fait, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste rajouté 2-3 torches. Parce que ça, vous me l'avez pas mal dit dans les commentaires. Si je veux pas que les zombies spawnent chez moi et tout, fallait rajouter des torches. Donc, ça c'est cool. Et bien aujourd'hui, il y a quand même pas mal de trucs de prévu. Notamment la dernière fois, je ne savais pas comment faire un portail. Maintenant, je sais. Vous me l'avez dit dans les commentaires. Pour le portail, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, et comme ça. Ah bah, barrière en bois, d'accord, ok. Alors, comment qu'ils se portent mes petits moutons de bon matin? Hein? Ça va, tranquillement? Oh bah regardez ça mon vieux, ça se porte impeccable là-dedans. Hein? Ça belle, tant que ça belle, c'est la santé, c'est impeccable. Je vais prendre ma hache. Voilà, hop. On va faire ça comme ça, et on va faire ça comme ça. Non, ça va pas. Ça va pas du tout, attendez. Mais c'est pas un portail ça. Ça s'ouvre pas. À moins que c'est comme ça. Voilà, c'est peut-être comme ça sinon. Ah d'accord, c'était comme ça. Bon, c'était le contraire, autant pour moi. D'accord, j'ai rien dit. On va aller mettre ça tout de suite dans l'enclos du père mouton. Donc vous m'avez dit aussi, pour attirer les moutons c'est le blé, pour attirer les poules c'est les graines, et pour attirer les cochons c'est les carottes. Donc ça c'est plutôt cool. Putain mon vieux, il est en train de me brouter la pelouse. Laisse tomber. Il est où mon portail? Donne-moi ça. Vas-y. Ah bah voilà. Là ça me plaît mieux. Voyez-vous? Ça c'est impeccable. Attends, donne-moi ça. Voilà. Oui, oui. Alors aussi, j'ai encore eu plein d'astuces. C'est un truc de fou quand même. Putain, ma pelle elle est morte. Pour la source d'eau infinie, en fait, je m'étais trompé. Pour la source d'eau infinie, il faut faire comme ça. Voilà. Là, normalement, si je mets de l'eau, je devrais avoir une source d'eau infinie. C'est bien ce que vous m'avez dit, hein. Ok, je prends le seau, on va tout de suite tester ça. Je vais remplir ça tranquillement. Allez, c'est parti. Vas-y, fais péter la flotte. Impeccable. Je prends, je ramasse. Bon, comme vous voyez aussi derrière moi, eh ben, la pièce, elle est bien vide. Alors, je parle de ma pièce à moi, hein. Je parle pas dans le jeu. Et oui, effectivement, le déménagement, ça avance. Tout doucement, mais sûrement. Faut bien, hein. Alors, attends, je vais en mettre un petit peu là. Voilà. On m'a dit de chaque côté. Aussi, vous m'avez dit que pour l'or, alors l'or apparemment c'est pourri pour faire les armes, c'est également pourri pour faire les armures. Par contre, on peut faire des pommes en or. Donc ça, je l'ai beaucoup lu aussi. On va en rajouter encore un petit peu. Ouais, les pommes en or, et apparemment ça permet d'être plus fort pendant un laps de temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Alors attends, maintenant si je prends de l'eau. Ah yes, attends, je vais tester. Oh yes, nice. Oh putain, c'est excellent. Alors ça c'est une putain d'astuce, franchement merci bien, c'est super cool. Attends, ah bah ouais, ça se vide jamais. Ok, eh c'est nickel, franchement ce sera mon petit puits et tout. C'est carrément trop bien, parce que moi je vous dis, pour remplir ça à chaque fois je fais des allers-retours là dedans et tout. Oh putain, ça va pas tarder à faire nuit. Oui, aïe 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 aïe. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit peu la récolte du blé tranquillement. Donc on va le récolter avec la houe. Je crois que ça sert à rien, mais je sais pas si ça change quelque chose de le récolter avec la houe. Voilà, on va prendre ceux qui sont prêts. Ah oui, aussi un autre truc. Ah ouais, mais faut que je me souvienne de tout, c'est un truc de fou, hein. On m'a dit, pour que ça pousse plus vite au niveau du blé et tout, il faut mettre de la poudre d'os en guise d'engrais. Donc on va tout de suite aller faire une petite mixture de ça. Le bambou ça pousse. Je vais en récupérer un petit peu, voilà. Oh, ça a bien poussé quand même. Celui-là, oh, celui-là, il a pas poussé des masses, mais on va en refaire pousser. Voilà, hop, voilà, comme ça. Et
comme ça. Oh putain, on peut en mettre plusieurs. Non, attends. Voilà. Je mets que ça et ça va pousser. Nickel. Ok. Tais-toi, mon vieux. Alors, fais-moi des gosses, toi. Attends, bah je vais leur en donner un petit peu. Je vais donner un petit peu. Oui, vas-y, venez, mes petits. Venez, mes petits. Tiens, prends. Tiens, mange. Mange, vas-y. Mangez, mes agneaux. Mangez, mangez. Voilà. Regardez ça. C'est pas mignon? T'en veux, toi aussi? Tiens. Voilà, grandis, mon petit. Grandissez, mes petits. Voilà, regardez ça. Hop. Putain, ils ont tout bouffé, mon vieux, ces cochons. Ils avaient la dalle, hein. Bon, on va rentrer à la maison tranquillement. Voilà. Ah bah oui, vous voyez, c'est quand même un peu plus éclairé là-dedans. Voilà, il n'y a pas de zombies qui spawn et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est les reflets de la lune, ok, d'accord. Nickel. Qu'est-ce que j'étais parti pour faire? Je sais plus. Ah oui, si, si, j'étais parti pour faire de la poudre d'os. Donc, on va faire ça. Bah, j'ai qu'un os, ça tombe bien. Voilà, par contre, je sais pas si ça va suffire. Hop, voilà, c'est comme ça, poudre d'os, ok. Par contre, je ne sais pas trop comment que ça marche. Je vais dormir quand même. Attends. Hop, voilà. On va passer la nuit. On se retrouve demain matin. Ah, quelle bonne journée qui s'annonce. Alors, alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ouh, quel beau lever de soleil. Impeccable, mon vieux. Alors, ça grandit, mes petits moutons? Ça grandit, ça grandit? Ah bah oui, ça grandit, mon vieux. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Voilà, on prend ça. De la poudre d'os. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, cool. D'accord, ok. Et bah vous voyez, je pense que je vais me taper des squeletteurs là. Je vais attendre que la nuit tombe et on ira se taper des squeletteurs, ou on va aller directement dans la grotte. Ouais ouais, va falloir farmer et tout. Ça, ça va être cool. Ce qu'on va faire, c'est que, déjà, aujourd'hui, ah aujourd'hui beaucoup de choses de prévues. Là il n'y a pas de temps à perdre, mon vieux, pas le temps de niaiser hein. Aujourd'hui on va prendre un seau d'eau. Je vais peut-être même ah j'en prends deux ou quoi? Non, j'en prends qu'un. J'aurai de quoi faire deux seaux d'eau, hein, franchement. Hein. Ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre... Ouais, on va faire deux seaux. On va faire deux seaux, tranquille, voilà. C'est con, j'ai pas de pomme, sinon j'aurais bien fait une pomme en or. Ça, c'est dommage. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Putain, c'est le bordel, mon vieux, dans mon inventaire. Va falloir que je range tout ça, moi, ça va plus du tout. Ça va plus du tout, quoi. Laisse tomber. Hop, ça, nickel. Donne-moi ça. Voilà, ça, on va faire ça comme ça, c'est nickel, ok. Bon, je vais ranger un petit peu mon inventaire et on se retrouve. Voilà, c'est plutôt pas trop mal rangé là, nickel. Faudra que je refasse des coffres par contre, ça va pas. Je crois pas qu'on peut en faire des triples. Non, j'en referai un à côté. Ici, ça cuit tranquille, ok, nickel, impeccable. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques torches, tranquillement. On va s'équiper pour descendre dans la caverne secrète, mon vieux. Ça va être un truc de fou. Je vais refaire un deuxième saut. Alors attends, le saut c'est comment? C'est comme ça, je crois. Non, ça c'est un chaudron. Ah, c'est quoi ça? On peut faire des cisailles. Ah ouais? Écoutez, je vais en faire une. Franchement, ça par contre, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je vais l'équiper pour voir c'est quoi. C'est peut-être pour ramasser du blé ou je sais pas, non? Attendez, qu'est-ce que ça fait la cisaille? Ça cisaille? Bah ça cisaille... Ah j'ai compris, attendez. Ah ouais, c'est pour faire repousser du gazon en fait. D'accord, c'est pour tondre la pelouse. Bon, au moins je sais à quoi ça sert la cisaille, nickel. Là j'ai un trou de mémoire. J'ai sorti la sainte tablette, mon vieux. Je vais bien te le trouver, le craft du seau, tu vas voir. En fait, du coup, le seau, c'est comme ça. Hop, voilà, nickel. Impeccable, voilà. Bon, ça va pas tarder à faire nuit, là. Ce qu'on va faire, c'est que, bah, on va descendre tout de suite dans la caverne secrète. Et on va tenter d'aller chercher de l'obsidienne. Pour tenter de faire une table d'enchantement et tout et tout. Vous voyez bien ce que je veux dire. J'ai une pioche en pierre, une pioche en diamant. Ah, j'aurais peut-être dû refaire une pioche. Je vais aller refaire une pioche vite fait. Bon, impeccable, là je suis équipé. J'ai des pioches en fer et tout. J'ai fait deux pioches en fer. Plus la pioche en pierre, plus celle en diamant. Je pense que là, on est bien équipé pour partir à l'aventure dans la caverne secrète. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'aller chercher bah, de l'or, du fer, du diamant, de la redstone, toutes ces choses-là. Voilà. Déjà, là je pourrais prendre de la redstone ici, si je fais ça. Attendez. Ce qu'on va faire, si j'ai pris deux seaux, c'est pas pour rien. Regardez. C'est pour faire ça. Hop. On va faire ça. Eh ouais, ça sert votre astuce de la source d'eau infinie. Ah merde! Ah, c'est con! Je l'ai pas rempli à fond. Je vais aller chercher de l'eau vite fait. Voilà, fais péter un petit peu d'eau de source là. Nickel! Allez, on redescend. Voilà, maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire comme ça. Nickel. Et là, si je ne m'abuse, nous avons une source d'eau infinie. Donc c'est plutôt cool, vous voyez? On va prendre un peu d'obsidienne. Normalement. Ben normalement c'était comme ça. Non?
On m'a dit tu mets de l'eau sur la lave là et tout. Ça marche pas? Ah ouais, ok, d'accord, c'est comme ça. Voilà, hop, on va récupérer la flotte. Ok, là maintenant on a de l'obsidienne. Donc, pour l'obsidienne, alors avec la pioche en fer apparemment ça met 10 ans, mais avec la pioche en diamant ça devrait aller un peu plus vite. On va en prendre un petit peu. Putain mon vieux, même avec la pioche en diamant c'est long hein. Wow. Ça mine là? Ah ouais, ça mine. Obsidienne. Bon bah écoutez, je vais en ramasser quelques blocs. Allez, c'est parti. Alors aussi, ce que je voudrais bien faire, c'est aller chercher un canasson, le dresser et y faire une selle et tout. Mais par contre, je sais pas comment qu'on fait les selles de cheval. Donc ça, ce serait bien si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Franchement, bon, de toute façon, je compte sur vous à chaque fois pour les commentaires parce que j'ai tout le temps plein d'astuces. Donc n'hésitez pas à me donner tout le temps des astuces et tout. Je lis tout à chaque fois. Donc, on a... je pense qu'on a assez d'obsidienne là. 19, c'est plutôt cool, hein. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même s'engouffrer par là-bas. Et je vais prendre un peu de charbon. Voilà, on va prendre du charbon, tranquille. Voilà. Eh, ma pioche en diamant, elle tient bien, mais un truc de fou, quoi. Je viens de miner de l'obsidienne, ça ne l'a pas cassé, j'ai l'impression. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de trouver de l'or, des trucs comme ça. Ah, yes, de l'or, c'est cool. Je prends, nickel. Du minerai de fer, je prends. On va mettre des torches, toujours. Voilà. Il y a encore de la ferraille là-bas. Je prends. Ouh, et puis il y en a pas mal. Ça, je prends. Ok, nickel. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau par là? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une torche ici. Voilà, comme ça sera cool. Ok, là. Bon, c'est bon. Ici, on a fait le tour. On va aller l'autre côté. Voir s'il y a moyen encore de trouver de l'or, du diamant et tout. Ah ouais, du diamant. Je voudrais bien en trouver un petit peu. Franchement, ce serait cool. En plus, la dernière fois, j'ai vu, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit dans les commentaires que j'étais passé à côté d'un bloc de diamant. Un bloc d'or, je veux dire. Je l'ai vu en plus en re-regardant la vidéo. Il était juste là. Eh ouais. Attendez, c'est de l'or, ça? C'est de l'or ou c'est point de l'or? Attends. Je vais... Mais non! C'est de l'or, ça, ou c'est du minerai de fer? Je vais vous dire ça. C'est du minerai de fer. Du minerai de fer, je prends quand même. C'est tout de même pas trop mal. Bon, on va s'aventurer un petit peu par ici, tranquillement. On va essayer de monter là-dedans. Putain, mon vieux, il m'aurait fallu un bateau. On va essayer de descendre par ici, tranquillement. Là. Ah merde, j'aurais dû aller chercher de l'eau, putain. C'est pas grave. On va miner un peu pour descendre un peu plus bas. Ah ouais, donc ça, du coup, c'est de la bedrock. Je crois que ça se casse pas. Ouais, même avec la pioche en diamant, je crois bien que ça se casse même pas, quoi. Ah yes, de la redstone. Je prends, hop, je vais prendre celle en diamant. Bon, on fait des belles trouvailles par ici, c'est plutôt cool. Putain, il y a de la bedrock de partout, quoi. Je peux pas descendre. Lapis-lazuli, je prends. Ouh, putain, merde. Merde, merde, merde. Attendez, ouh, oh la putain. Attends, attends, attends. Je vais boucher ça vite fait, là, parce que ça me plaît pas des masses. Voilà. C'est bon, là, hein. Allez, c'est bon, nickel. Lapis-lazuli, ça je prends. Vas-y, fais péter. Putain, attends, par contre, je vais poser des torches là-dedans parce que faudrait pas trop que je me perde. Oh, j'entends de l'eau par là. De l'eau ou de la lave? La lave, ça fait pas ce bruit-là. Où est-ce que je suis, là? Attends, putain. Attends, je suis retourné là, moi? Attends, 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 attends. Où est-ce que je suis arrivé? Merde, 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 merde. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Oh putain. Attendez, je vais glisser, je vais glisser, je vais glisser. Arrête. Merde. D'où est-ce qu'elle coule cette... cette source là? Elle coule de nulle part. Attendez, je vais prendre de l'eau. Voilà, ce qu'on va faire c'est ça. Oh putain, bah mon vieux, bah y a plus d'eau, ça y est. On va essayer de faire ça. Voilà. Vas-y, rends-moi la flotte. Nickel. Et là je vous dis, je suis parti super loin, c'est un truc de fou quoi. J'ai posé des torches partout. Laisse tomber. On va retourner un petit peu en arrière parce que là franchement je suis parti mais super loin. Je vous explique même pas le délire. Attends, hop, en arrière. C'est par ici, ok. Allez, c'est parti. Par contre j'ai pas trouvé de diamant quoi. Regardez toute la route que j'ai fait quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Attendez, parce que là j'ai perdu la sortie. Ce qu'il y a c'est que j'ai mis des torches partout. C'est pas par là des fois? Non, c'est pas par là. Ah, de la redstone, du charbon, ça y en a hein. Mais l'or et le diamant, ça se fait rare. J'ai l'impression. Ok, j'ai retrouvé la sortie, nickel. Putain, comment que c'était galère, mon vieux. C'est un truc de fou, quoi. On va se casser de là. Allez, on se barre de là. Ah, puis on remonte, ça fait jour, impeccable. Oh, puis c'est le matin, en plus. Faut c'est le matin.
C'est Médé. Médé, Médé et demi. C'est l'heure de l'apéro, tranquillement. Bon, on va aller là-bas. Voilà. Et ce fut quand même une bonne expédition. Hein. Regardez, j'ai de la redstone et tout. De la redstone, de l'obsidienne. Puis j'ai de la redstone aussi. Ce qu'on va faire, c'est que... on va faire ça, tranquillement. Voilà. On va faire ça, tranquillement. Ça, je vais le couper en deux. Voilà. Hop, et je vais le mettre là. Voilà, on va se faire masse de lingots de ferraille. Ça, c'est nickel. Alors maintenant, ça va se passer comme ça. Voilà. Hop, un de chaque côté, ok. Tac, nickel. Et il nous faut une bibliothèque au-dessus. Non ? C'est pas comme ça ? Tu rigoles, mon vieux ? C'était comme ça. Attends, table d'enchantement Minecraft. Ah non, c'est pas comme ça, c'est avec un livre. Ah bah oui, rien à voir. C'est pas une bibliothèque. Ce qu'il me faut, c'est un bouquin. Hop, j'en ai un là. Nickel. Il va falloir que je refasse des coffres aussi. Hein. Ok, tac, tac, comme ça, comme ça. Et je mets un bouquin là. Yes ! Voilà, nickel. Succès obtenu, enchanté. Et bah de même, ça fait plaisir. Voilà, Jolade vient d'obtenir le succès enchanté. Ok, maintenant, si je ne m'amuse, je prends ça. Je pose ça là. Ça fait un peu con, là. Ça fait couillon, là. Attends. Non, ça fait couillon, comme ça. J'espère que ça va pas tout casser si je fais ça. Merde. Attends, je la récupère. Yes, c'est bon, je la récupère. Ça me plaît pas, ici. Ici, je vais élargir un petit peu, déjà. Bon, j'ai élargi un petit peu là-dedans. On se sentait un petit peu à l'étroit. Franchement, je trouve que c'est mieux comme ça. Bon, par contre, va falloir que j'aille couper du bois parce que j'ai pas pu finir. On mettra une bibliothèque dans chaque coin. Donc ça, ça va être cool. Et on va mettre la table d'enchantement... ici, voilà. Donc maintenant, comment que ça se passe? Par exemple, si je veux enchanter une épée, je fais comme ça. Je fais comme ça, je présume. D'accord? Je mets ça ici. Et ah, putain, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Tranchant, solidité, recul. Vas-y, fais péter le tranchant. C'est bon? D'accord, ça y est. Ici, avec celle-là, je peux. Vas-y. Hop. Bah, vas-y, hein, fais péter, mon vieux. Hein. Je vais tous te les enchanter, moi. Vas-y, hein, l'arc aussi. Voilà. Ça, c'est bon. Oh là là, comment qu'on s'est mis bien. On peut enchanter le seau? Ah non, on peut pas. Est-ce qu'on peut enchanter la pioche en diamant? Bien sûr. Voilà, ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut enchanter un livre? Ah ouais, on peut enchanter un livre. J'ai enchanté un livre, mon vieux. Je sais pas à quoi ça sert, mais je l'ai enchanté. Et franchement, c'est bien cool. On peut enchanter du diamant? Non, on peut pas. On peut peut-être pas tout enchanter non plus. Ça, non, on peut pas. Oh là là, regardez ça, j'ai l'épée enchantée et tout. Bah là, franchement, mon vieux, je peux te dire qu'on s'est mis bien. Là, on s'est mis bien, laisse tomber. Je vais aller chercher... Ah, je vais aller chercher des squelettors aussi. Voilà. Faut que je me fasse 2-3 squelettors. Ouais, ouais, parce qu'il me faut de la poudre d'os pour mon blé là-bas. Oui, oui, t'inquiète, j'arrive, je vais te nourrir, mon vieux, 2 secondes. Tranquillement, il y a le temps. Hein? Bah, regardez-le, lui. Il a une pelle dans les mains, mon vieux. Ah bah, je peux te dire que... Toi, tu vas prendre cher, mon vieux. Avec l'épée enchantée, là. Tu parles, mon vieux? J'ai l'impression qu'elle coupe pas mieux qu'avant. Si? Putain, je sais pas, en fait. Ils sont où, les squelettors, là? Où est-ce qu'ils sont, les squelettors? Tiens-toi, dégage. Voilà. Lui... Son affaire, elle est réglée. Ok. Et avec la hache enchantée, je vais peut-être bien couper encore plus vite, non? Ah ouais! Oh, laisse tomber, ça va trop vite. C'est peut-être psychologique, non? J'en sais rien, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais dégager? Je vais dégager de la terre pour du bois. Ouais, je prends. Et comme par hasard, il n'y a pas un seul squelettor dans le coin. C'est tout le temps quand on a besoin d'eux qui sont pas là. Et quand on veut pas les croiser, bah, il y en a partout. C'est tout le temps comme ça, de toute façon. Oh, qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Bah, regardez-le, lui. Bah, il est bizarre, lui. Regardez-le, comment qu'il est chelou. Tiens! Il avait pas l'air d'être comme les autres, celui-là. Bon! Oh, petit cochon. Tiens, lui. Vas-y, explose. Explose, explose, vas-y. Voilà. Nickel. On se casse de là. Putain, il n'y a pas un seul squelettor dans le coin. Tais-toi! Alors, ah bah voilà, tiens, mon vieux, je te cherchais partout.
Alors. Voilà. Tiens. Voilà, nickel. J'espère qu'il m'a donné de la poudre d'os. Est-ce qu'il m'a donné des os? Oui, il y en a. Putain, qu'est-ce que je vais jeter, quoi? J'ai trop de trucs. Voilà, nickel. Ce serait bien que je retrouve 2-3 squelettors. Oh, il y en a un là-bas. Nickel, je vais me le faire. On m'a dit que si je sautais et que je tape en même temps, ça faisait plus mal. Tu parles, ouais? C'est lui qui me fait plus mal. Voilà. Ah bah nickel. Ils sont où les squelettors là? Ah si, il y en a encore un. Il est où? Où est-ce qu'il est? Ah il est là, il est là, il est là, il est coincé. Voilà. Oh, putain mon vieux, j'y mets un coup, je l'ai one shot direct. Il a rien compris. Ah regardez ça, citrouille. On m'a dit qu'apparemment je pouvais mettre des citrouilles sur la tête. Attends. Je reviendrai peut-être ici plus tard. Attends, à moins que je peux jeter un truc. Ouais, je peux jeter de la pierre, hein. Franchement j'en ai à foise, hein. Quoique, attends. Ah, ça me fait chier quand même. Non, je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard et je prendrai des citrouilles. On m'a dit que je pouvais en mettre sur la tête des citrouilles. Ça faisait un casque et tout. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui m'a trollé dans les commentaires ou si c'est vrai. Vous me confirmerez ça une fois de plus. Ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai du bois. On va se faire un nouveau coffre. Et puis un double, hein, carrément. Direct. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop. Voilà. Un coffre. Et deux coffres. Putain, j'ai plus de place. On va faire le double direct. Voilà. Et on va faire un petit peu de tri, tranquillement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Ah oui, c'est la terre que j'ai jetée, ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'occuper un petit peu de mon champ, là. J'ai ramassé pas mal de poudre d'os. Donc, toi, on va te faire pousser. C'est... Donne-moi ça. C'est nickel. Voilà. Ah, regardez ça, c'est impeccable. Ça a poussé, nickel. Et bah voilà. Hop. Impeccable. Voilà, on va replanter des graines. Ça va être cool. J'ai l'impression que j'entends un squelettor en bas. C'est possible, hein. Ou non, c'est le mouton, j'en sais rien, franchement. Le bambou, ça, je vais ramasser. Voilà. Ça me permettra de refaire des bibliothèques et tout, donc ça peut être cool. Attends, je vais en refaire pousser encore un peu. Je vais peut-être faire un coin spécial pour le bambou. Ça pourrait être cool. Les fenêtres aussi, vous m'avez dit qu'on pouvait faire des vitres avec. Si ça fait des économies en fait. Mais bon, là c'est bien, ça fait du double vitrage aussi, c'est cool. Là, on va nourrir tout ce beau monde. Allez, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Faites des gosses. Voilà, c'est bien. Merde, t'es ma gourmand toi mon petit. Putain, il est en train de brouter le gazon lui mon vieux. T'as pas assez bouffé? Alors, tiens. Merde, je vais refaire une tranchée juste à côté. Putain, puis j'ai la dalle, hein. Allez hop. Oui. Tu feras de la rillette à Noël toi. Vas-y, mange. Engraisse-toi. Je vais refaire une petite tranchée tranquille. Et je vais aller faire le ménage là-dessous. Et ici je pense que je vais faire une salle secrète en dessous. Ça pourrait être franchement sympa. Oh, Skeletor. Je savais bien qu'il y avait un Skeletor dans le coin. Tiens, prends mon épée enchantée dans la gueule mon vieux. Eh ben c'est cool. Voilà, regardez ça. J'ai commencé à aménager tout doucement la salle secrète qu'on fera en bas. Donc ça c'est plutôt cool. On va mettre des torches pour peut-être éviter les spawns éventuels. Voilà, tranquille. Vas-y. Impeccable. Je vais remonter là-haut. Tais-toi mon vieux. Qui c'est qui grogne comme ça là? Oh, doit y en avoir un dans le coin. Oh, regardez, il y a un squelettor. Ceux-là, maintenant, je vais les buter direct, hein. Ça fait de la poudre d'os. Tiens! Prends ça! Voilà. Voilà, fais péter. On va remplir tout ça. On va labourer un peu le terrain, là. Tranquillement. Voilà, on va planter 2-3 petites graines. Histoire de... Impeccable! Alors... Qui c'est? C'est toi qui belle comme ça, mon vieux, là? Alors... Malade lui. Il y a un squelettor dans le coin. Ah bah oui, regardez-le, il est en train de cramer. Qu'est-ce que tu fous dans mon champ de blé, toi? Dégage de là. Alors, bon, on se casse de là. Oh, regardez-la, celle-là. Tiens. Voilà, donne-moi de la ficelle. Ça peut toujours servir. Je prends. Alors, je sais qu'aussi, vous m'avez dit dans les commentaires que pour faire un portail, pour aller dans l'enfer, en fait, pour aller dans le Nether, il faut mettre de l'obsidienne et tout, en carré et tout, mais... ça, on le fera pour la prochaine fois, je pense. Mais, enfin, pour la prochaine fois. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je trouve du diamant, histoire que je me stuffe bien comme il faut.
Ce que je voudrais bien avant d'aller dans le Nether, c'est d'avoir l'armure en diamant et tout. Et voyez, là, là, on est chaud, quoi, après. Il faudrait aussi que je trouve un canasson, histoire de... Que, voilà, que je le dresse, que je fasse une selle et tout. Alors ça, faudra me le dire dans les commentaires, comment faire la selle, parce que franchement, je sais pas du tout. Et en tout cas, ça déchire. Elle déchire, mon entrée, là. Moi, j'aime bien. Je vais mettre un tapis, juste ici. Voilà, je vais le mettre là. Impeccable. Regardez ça. J'ai fait des paillassons et tout. Ouais, alors faudra bien s'essuyer les pieds avant de rentrer, hein. Voilà, tranquillement. Bon, sur ce, les gens, on va s'arrêter ici pour cette vidéo de Minecraft. En tout cas, franchement, on aura bien avancé. Ça, c'est cool. J'ai fait la table d'enchantement. J'ai amélioré le champ de moutons. J'ai amélioré l'agriculture là-haut. J'ai encore été miné de la ferraille et tout. Franchement, là, c'est super cool. Pour les prochains épisodes, il y a encore plein de choses à voir. Il y a encore plein de choses à faire, franchement. Dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde, bye.